Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner et partage. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons présenter ce moment à notre Dieu. Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint. Papa, je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies. Je vais te dire merci pour ton amour, Papa. Merci, mon roi. Merci, mon rocher. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Alléluia. Nous allons prendre Lamentations 3, verset 37. Amen. Lamentations 3, et nous allons lire le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Je répète. Amen. Alléluia. Qui est-ce qui dit que cela a été fait, que le Seigneur ne l'a point commandé? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe au pays, dans notre pays ici, en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit célébré. Alléluia. Que son nom soit élevé en dignité. Accrochons-nous au navire Jésus. Alléluia. Lui seul saura nous aider. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Partageons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit entendu partout dans le monde entier. Notre Seigneur nous défend beaucoup, crions à lui, alléluia. Raison pour laquelle je dis que moi, je m'assois au pied de la majesté divine. Alléluia. Que son nom soit béni. Je sais que Dieu est avec nous. Je sais que Dieu est avec toi. Amen. Que son nom soit béni. Je vous ai parlé du croissant lunaire. Je vous ai parlé un peu, voilà, de ce qui se passe et ce qui va se passer. Je vous ai parlé, j'ai mis la première partie de la vidéo d'hier. Voilà, j'ai mis la première partie de ce qui va arriver. Effectivement, le Seigneur nous révèle toutes ces choses cachées, les choses à venir. Le Seigneur a ordonné certaines choses. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'agiter. Il n'y a pas à s'agiter. Amen. C'est le Seigneur qui a permis, qui permet toutes choses. La parole nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, si vous voyez qu'il y a un changement à la tête de notre pays, c'est que Dieu l'a ordonné. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, les gens doivent comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce temps, le temps, le moment est arrivé que le président Alassane Ouattara fasse la part des choses et qui donne la place, qui cède la place à Tidiane Thiam. Vous voyez? Voilà. Parce que son temps est passé. Le temps, je ne dis pas qu'il est vieil homme, non. Mais il a forcé un peu pour faire le troisième mandat. Il a forcé un peu pour faire le troisième mandat. Donc, Dieu tient compte de tout ça. Donc, si vous voyez qu'un autre candidat aujourd'hui, Ne vous plaignez pas, ça va aller pour la Côte d'Ivoire. Le président Alassane a fait 3 mandats, je crois que c'est suffisant pour lui, amen, et pour la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il a réalisé, les ponts, les routes, et tout ce que vous voyez, c'est le président Ouattara. Mais ce n'est pas pour autant ça qu'il doit s'éterniser là. J'ai dit merci Seigneur pour ce qu'il a fait, mais qu'il sache céder la place à Tidiane. Amen. Voilà, s'il y a un autre candidat, ok. Mais pour le moment, c'est Tidiane. Donc vous voyez, je vous ai parlé de la lune, des 2 lunes sur la Côte d'Ivoire et l'autre qui était éteint.
voilà, qui était éteinte. Et puis il y a l'autre qui sortait maintenant de. Hein, je vous ai parlé de tout ça. Je vous ai dit de prier afin que Dieu vous donne l'explication. Maintenant, la lune que je vais voir, va commencer à grossir. Et je vous ai dit que j'ai vu des étoiles tout autour de cette lune. Tout autour de cette lune, c'est des étoiles qui brillent. Les étoiles qui brillent. Et qui brillent. Et j'ai vu. Je ne sais pas comment expliquer. Mais le Seigneur dit, regarde, il y avait beaucoup d'étoiles. J'ai vu beaucoup d'étoiles dans le ciel ivoirien. Et le Seigneur me dit, tu vois, tous les réfugiés vont rentrer. Tous les réfugiés vont rentrer. Et j'ai vu autour de cette lune, cette petite lune qui sortait là, autour de cette lune, oh Seigneur, j'ai vu beaucoup d'étoiles. Ça veut dire que cette personne-là, Tidiane, tiens, va travailler avec des gens de qualité. Il faut que je vous le dise. Il va travailler avec des gens instruits, des gens de qualité, des gens qui s'y connaissent. Et nous allons aller de gloire en gloire. Et vous voyez, le Seigneur me dit, regarde bien. Et je vois cette lune-là. Je vois beaucoup d'étoiles autour de cette lune-là qui éclairaient. Et il y avait la paix. Il y avait la paix. Je vous ai dit que quand il parlait, quand Tidiane parlait, j'ai fait d'autres vidéos pour ça, c'était le président Oufo-Boigny qui parlait. Et il y avait la paix dans notre pays ici. Et les réfugiés vont rentrer, les prisonniers vont sortir. Et l'amour va renaître dans notre pays ici. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup à dire sur cette révélation. Mais Voilà. Vous voyez qu'on arrête les gens. Mais je sais qu'ils ne vont pas m'arrêter, ils ne vont pas s'amuser à m'arrêter. Mais je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a montré. Le pays va se réconcilier. Le pays sera réconcilié. Et le pays même, les gens vont se réconcilier eux-mêmes. Il aura la joie dans notre pays ici. Il aura la paix. On ne va plus regarder des gens les juger, tout et tout. Il aura la paix. Mais c'est Dieu qui a programmé ça. Et je vous ai dit depuis longtemps, quand Tidiane Thiam parle, voilà, dans le rêve là, c'était comme si c'était le président Oufo-Boigny qui parlait. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous accorde. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous ai donné ce verset qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu suprême. C'est lui qui nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Alléluia. Méditons la parole jour et nuit. Amen. Méditons la parole afin que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous oriente, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. C'est le dessein de la Côte d'Ivoire qui est en train de se dessiner. Amen. Que la sagesse habite tous les Ivoiriens et que l'intelligence soit dans les têtes de tous les Ivoiriens. Amen. Que Dieu même donne des conseils à nos autorités, qu'ils sachent se retirer. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Que le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté, soit dans notre vie. Alléluia. Que Dieu se manifeste dans toutes les situations de ta vie, toi qui m'écoutes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aide par sa volonté. Nous avons le souffle de vie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Dieu ordonne à ce qu'il y ait beaucoup de bonnes choses pour nous.
Dieu ordonne à ce qu'il y ait la paix dans nos cœurs. Le Seigneur ordonne toutes ses bénédictions sur nos vies. Alléluia. Ne sois pas aveugle, ne sois pas dans l'égarement, mais confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous t'aider. Alléluia. C'est votre servante moyen. Il faut partager, il faut s'abonner, il faut s'abonner. Voilà, je vous ai dit que nous avons des problèmes. Vous voyez, ce n'est pas... Je passe mon temps à demander, mais personne ne... C'est vrai, beaucoup de gens viennent sur MyTV, mais je dis, c'est un monsieur qui nous a donné 10 000 francs. Voilà, si Dieu vous met à cœur de nous aider, faites-le. Faites-le pour le Seigneur. Vous ne faites pas pour Mamie Moyer, mais faites-le pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voici Orange Monnaie. Voilà, nous allons prendre Orange Monnaie. Voilà. Orange Monnaie 07 11 35 69 00. 07 11 35 69 00. C'est votre moyen. Au revoir.